Donc contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je sais, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo haul, je m'en excuse, mais vu que c'est les vacances d'été, donc avec les enfants c'est pas évident. Donc là j'ai trouvé un moment pour filmer ma commande de chez Fragrance Direct. Et si j'ai le temps, je vous ferai aussi une vidéo de mon haul solde de juin 2014. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous dis à tout de suite. Nous allons commencer avec ce produit. Donc c'est C Clear Out Face Pore Strip. Donc c'est des sticks que vous mettez ça sur votre front. Donc je vous mets la signification en français. Je n'ai pas été satisfaite de ce produit, donc je ne vous conseille pas de l'acheter. Donc il est à 1,75 € au lieu de 5 livres. Donc après c'est mon opinion, mais non, j'ai pas adhéré. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est celui-ci. Je l'ai testé, mais non. Je peux vous en ouvrir un si vous voulez. Voilà, il se présente comme ceci. Donc là, vous mouillez le front. Ensuite, vous enlevez la languette. Là, il y a une sorte de étiquette avec du produit, donc non, ça non, j'ai pas été convaincue. Encore ça va, c'était pas trop cher. Donc voilà, un flop pour moi. Je me suis commandé une petite palette. Pourquoi j'ai commandé cette palette? Parce qu'elle était à 0,99 livres au lieu de 3 livres. Donc j'ai voulu voir la pigmentation, qu'est-ce que ça donnait. Donc on va l'ouvrir. Il se présente comme ceci. Donc là, vous avez l'embout mousse. Donc là, je vais vous swatcher quelques couleurs. Voilà les swatchs. Donc, comme vous voyez, c'est une très très bonne pigmentation. Elle n'est pas poudreuse. Donc, pour 0,99 livres, on va dire 1 livre, donc ça fait environ 1,25 €. Donc, ça va, hein, franchement. Pour les personnes qui n'ont pas trop les moyens de s'acheter des fards à paupières, c'est le top. Ensuite, je me suis pris un vernis à ongles de la marque OPI, donc c'est un craquelé. Donc pourquoi je l'ai pris? Parce que le prix était à 1,99 € au lieu de 14 livres. Donc comme vous savez, vous pouvez trouver ce produit chez Sephora et c'est vrai, ça coûte plus de 15 € ces vernis à ongles. Donc voilà, donc c'est le vernis que j'ai mis aujourd'hui. Donc on ne le voit pas très bien, mais je vous mettrai une photo juste à côté avec une base de vernis noir et ce craquelé par-dessus. J'ai commandé ce eyeliner de la marque Manhattan. Donc il n'y avait pas du noir. J'ai pris le marron, brown normalement. Je vous fais un swatch et il est nickel. Donc vous pouvez faire soit épais, soit tout fin. Donc voilà. Par contre, j'ai regardé sur le site, ils sont en rupture de stock. Donc vérifiez assez souvent Fragrance Direct car ils remplissent leur stock. Mais je vous mettrai quand même le nom de cette référence, de ce produit. Pardon. Voilà. Ensuite, je me suis pris un autre eyeliner. Donc, celui-ci, c'est Technique Électrique. Donc, c'est la même marque. Non, si. Donc, c'est la même marque que la palette. Oui, c'est bien ça. Donc, celui-ci, par contre, j'ai trouvé en couleur noire. Donc, là, par contre, la mine, elle est bien épaisse. Qu'est-ce que ça donne? Ah, ouais, c'est. Non, ça va. Vous pouvez faire épais, tout fin. J'ai eu peur quand j'ai vu la mine là, je me suis dit c'est quoi ce truc? Non, ça va, donc vous pouvez faire soit épais, soit moyennement épais, on va dire, et tout fin. Donc ça va, donc j'ai un peu flippé. Donc sur les fards, ça donne quoi? Voilà, donc vous avez vu, c'est super. Donc le prix. Il est à 1,99 € au lieu de 4 livres. Je crois bien que je l'ai dit, mais bon. Voilà, donc je suis super contente de ce produit aussi. J'ai commandé ce produit, donc je l'ai ouvert. Je l'ai même testé pour vous dire qu'est-ce que j'en pensais. Donc,
Donc le prix est à 1,99 € au lieu de 7,58 €. Donc moi je pensais que, parce que sur l'image, je pensais, vous savez, c'était les autocollants qu'on met sur les ongles, mais en fait non. Donc le produit, il se présente comme ceci. Donc là vous avez une lime à ongles. Là vous avez le truc en cure-dent, là je sais pas comment ça s'appelle. Là vous avez les faux ongles. Et là vous avez, donc je vais vous expliquer de suite. Je vais juste vous montrer ça. Voilà. Donc là c'est qu'est-ce que vous allez venir coller sur les faux ongles. Mais en fait il n'y a pas de colle. Et c'est ça qui va remplacer la colle. Voilà, donc c'est un truc comme ça. C'est un genre d'autocollant double face que vous allez venir le coller sur l'ongle comme ceci. Ensuite, vous allez enlever la pellicule qui se trouve dessus pour avoir la double face. Ensuite, vous prenez, vous allez prendre l'ongle, voilà, et vous allez venir poser sur la, enfin sur l'autocollant. Donc voilà, donc ça vous fait un genre de d'ongle comme ça. Donc moi, donc là vous avez vu, j'ai collé un stick, mais c'est pas mon truc. Non, moi les faux ongles, j'ai jamais mis de faux ongles de ma vie. Je pense pas en mettre, donc je pense le donner à quelqu'un. Ah bah du coup le truc, voilà, la pellicule s'est enlevée. Donc là, bah, du coup je vais vous le coller de suite. Voilà, donc là, vous voyez, vous avez un faux ongle. Donc c'est bien pour les soirées, mais je pense pas que le truc, il va durer 2-3 jours, je ne pense pas, à moins que vous recollez à chaque fois. Mais non, ça va, c'est gérable, c'est potable, mais bon, c'est pas trop mon truc. Donc là, après, vous pouvez rajouter des strass, si vous avez des strass à la maison, mais voilà, sinon, les porter tout simplement. Donc voilà, je me suis pris un sérum. Donc c'est un sérum très léger, contrôle les frisottis, mèche rebelle, soie japonais, assure une brillance instantanément perceptible et toucher soyeux onctueuse. Donc ça c'était écrit sur le site, j'ai fait la traduction en français. Donc le prix était à 1,99 € au lieu de 12 livres. Donc par contre il y a des bons trucs à l'intérieur. Enfin, la composition, elle est bien. Voilà. Donc le nom, c'est Hubert Sassy. Voilà, le nom du produit. Hubert Sassy. Donc c'est une pompe. Et vous en mettez juste après avoir fait votre lissage, votre brushing. Voilà. Ensuite, j'ai voulu tester ce shampoing. Donc, c'est de la marque Elida. Je sais que nous, dans les publicités turques, je vois beaucoup cette marque. En Turquie, ils aiment bien cette marque. Donc, quand je l'ai vu chez Fragrance Direct, je me suis dit, allez, on va la tester. Donc, le prix n'était pas cher aussi. Je l'ai commandé aussi parce qu'il était à 99 livres au lieu de 2 livres. Donc, c'est un 200 ml. Donc ensuite, je me suis commandé ce produit de la marque Saliensin. Donc c'est un dissolvant à la vitamine E et aloe vera. Donc voilà, c'est marqué dissolvant hydratant pour les ongles secs et cassants. Vous avez une très bonne protection. Donc je sais pas si je l'ai mal ouvert ou pas. Il se présente comme ceci. Donc il est assez il est assez large le couvercle, ce qui est bien. Donc on va voir le craquelé comme il l'enlève. Donc voilà, donc il a bien nettoyé mon ongle du vernis. Produit satisfaisant, donc je vous mettrai le prix juste en dessous. La marque aussi, c'est Couleur Matte Conditionneur. Donc j'en ai beaucoup entendu parler de ce produit, je me suis dit allez on va le tester. Donc je l'ai vu sur le site, par contre il n'y avait que ce produit, c'est un après shampoing normalement, si je me trompe pas. Donc le prix 3,99 € au lieu de 6 livres.
Donc je sais qu'on peut le trouver maintenant chez Monoprix, mais au prix, je ne sais pas, il faut que j'aille voir. Donc c'est à 400 ml. Par contre, je ne vais pas tester. Si je le teste, j'écrirai ici ce que j'en pense. Donc voilà. La marque Pantene Pro V, je me suis pris un masque. Donc c'est marqué 2 minutes tips. Ouais. Pour les cheveux normaux. Donc moi, non, j'ai cheveux secs, mais bon. Je me suis dit, on va quand même tester ce produit. Donc je vais l'ouvrir. Avec mon vieux ongle. Il sent super bon. Oh là là, j'adore ce genre de. J'adore les masques qui sont bons. Donc je vais le tester. Par contre, ce qui est bien, donc il faut enlever la languette. Ensuite, tu refermes. Voilà. Et après, tu peux ouvrir comme ça. Voilà. Donc c'est pratique quand tu es sous la douche au lieu de dévisser. Tu fais ça, tu prends ta crème et hop, et tu refermes. Donc ce produit, il était à 2 livres 99 au lieu de 4 livres 69. Donc voilà, par contre, vous avez plusieurs types. Donc ceci, c'est normal, mais il y a cheveux secs ou abîmés, je pense. Mais je suis tombée sur ce produit et je l'ai pris. J'ai pas regardé les autres en fait. La marque Schwarzkopf, donc c'est un masque aussi. Donc Color Leave-In Mask, soin couleur sans rinçage. Donc ça c'est bien quand vous lavez vos cheveux, vous les essorez, ensuite vous appliquez ce masque et vous laissez sécher à l'air libre. Donc il est à 2 livres 99. Enfin, il est à 2 livres 99 au lieu de 10 livres 75. Ça sent le citron avec les agrumes en fait. Ouais, ça sent les agrumes citron. Donc voilà, donc par contre, c'est un 200 ml. Je me suis pris un accessoire pour faire boucler vos cheveux naturellement. Donc c'est Magic Hair Rollers. Donc ça, vous devez connaître. Là, vous avez l'image normalement. Donc vous prenez je vais vous montrer ça. Voilà, vous ouvrez à l'intérieur. Donc là, vous coincez les mèches, ensuite vous enroulez et vous refermez avec comme ça. Voilà. Et normalement, vous avez les cheveux bouclés naturellement le lendemain. Donc, ce genre de truc, ça marche, ça fonctionne. Donc, moi j'aime bien. Voilà. Donc, c'était pas cher, c'était à 0,99 livres, il me semble. Oui, voilà. 0,99 livres au lieu de 3 livres. J'ai repris ma paire de lunettes. Donc, vous devez vous dire pourquoi j'ai repris cette paire de lunettes ici, là. Mais le truc était pété ici, en fait. Commander ce produit. Donc, vous devez vous dire, je connais ce produit. Donc, je sais que tout le monde a commandé chez AliExpress.